As 1987 came to a close, the situation in Ethiopia was once again deteriorating. The rains had failed, the harvests in many areas were low, in some areas very low indeed, and the crisis of famine once again threatened. Added to this, there was armed conflict in the area, making assistance efforts very difficult. The International Committee of the Red Cross responded to the threatened crisis by expanding its work in the country and by trying to get food aid through to people in their villages, in their own areas. By doing this, it was hoped, people would remain in their villages and wouldn't go to the camps and the feeding centers with all their attendant horrors and difficulties. For this strategy to work, it meant that the roads had to be open for the food convoys to get through. If that didn't happen, crisis and disaster could follow. But in spite of an appeal by the president of the International Committee of the Red Cross for the roads to be open for survival, movement remained very difficult. While delegates in the field struggled to overcome the obstacles, the ICRC video news team was sent to Ethiopia to film the action and to show television audiences worldwide what the ICRC was trying to achieve. These are our reports. Les mauvaises récoltes et la sécheresse font à nouveau peser une menace sur la vie de quelques 3 millions de personnes au nord de l'Éthiopie. Les efforts entrepris pour faire parvenir des vivres aux populations affectées sont cependant entravés par les difficultés de circulation sur les axes routiers dans les provinces du Tigré et de l'Érythrée. Les convois qui seraient à même d'empêcher que la situation actuelle ne devienne catastrophique ne peuvent pas circuler librement et il est souvent impossible d'acheminer l'assistance alimentaire nécessaire. Le Comité international de la Croix-Rouge dispose d'entrepôts à Adigrat, dans la province du Tigré, d'où il tente de faire partir des convois vers le sud, vers un point de distribution situé dans la ville de Igdaamous. Il n'y a que 25 km à parcourir, mais dans ces régions de montagne, la route est tortueuse et difficile, même lorsque tout va bien. Et tout ne va pas bien en ce moment. La route est fréquemment minée et reste souvent fermée pendant plusieurs jours, en raison des problèmes de sécurité. Lorsque la route est ouverte, les risques sont constants. Ce véhicule a quitté la route, le chauffeur et deux passagers ont été blessés dans l'accident, heureusement sans gravité. Well, the main problems we're encountering would be the security situation along the roads. Roads being blocked for up to 11 days at a time. Also landmines, which are quite indiscriminate. We never know where they are, what situation is available to us down the road. We are trying to get ahead with the International Committee of the Red Cross appeal for open roads for survival, but we're meeting with quite a few obstacles on the way. Addis, convoy. Convoy Addis, don't let it go. Okay, I read you 4x5. We've now reached Idigahamas, 13 trucks, over. Cette fois, le convoi composé de 15 véhicules a réussi à passer et il est arrivé à Igdaamous. La distribution de vivres, qui doit toucher 120 000 personnes, peut avoir lieu ce mois-ci. Il n'en sera peut-être pas de même le mois prochain si la route ne reste pas ouverte de façon permanente. Si la route est bloquée, cette aide vitale ne pourra parvenir à destination et les populations connaîtront à nouveau la situation tragique d'il y a 3 ans. Les gens quitteront leur village et afflueront vers les grandes villes à la recherche de camps et de centres nutritionnels, alors que l'on espère pouvoir éviter que cet exode ne se reproduise. Beaucoup de ces gens ne survivront que si les routes sont ouvertes et si les convois peuvent passer. A crisis, any crisis, often appears to be a very confusing thing. But a famine is in fact quite a precise phenomenon. The signs of its coming can be detected in such things as market prices in the local markets, the nutritional standard of the people, and so on. The ICRC's early warning system is designed to monitor a situation as it develops and to provide an information base for decision making, but more importantly, for action. La ville d'Adigoudoum, province du Tigré.
La foule se presse, une distribution d'aide alimentaire d'urgence va commencer, organisée par le Comité international de la Croix-Rouge. Ces populations sont parmi les plus exposées à la famine qui menace. Dans la région, les récoltes n'ont atteint en 87 que 20% de leur volume normal. La majorité des vivres, cependant, sont encore à Minkele, un peu plus au nord. Pour que les gens qui attendent à Adigoudoum puissent recevoir leur première ration mensuelle, il faut que les vivres soient acheminés par la route. Si les convois ne peuvent pas passer, les conséquences risquent d'être désastreuses. We must assist 95,000 people and the stock we have now in Adigoudoum is only for 12,000 maximum. It means for 2 days distribution. Therefore, we had asked to the authorities the roads to be open for us every day. What we want is the food to be transported from Mekele to these distribution places by trucks every day and regularly. Lorsque l'on avait dit que les convois pourraient passer, la route a été à nouveau fermée 2 jours avant que ne commencent les distributions prévues. Nombreux étaient déjà ceux qui attendaient des vivres. Plus nombreux encore étaient ceux qui étaient en route. Si la distribution de vivres ne peut pas avoir lieu et si les populations ne retournent pas vers leur village, il est à craindre que de plus en plus de gens arrivent et restent ici, créant de nouveaux problèmes qui viendront s'ajouter aux problèmes de la faim, car il faudra les soigner et leur donner des abris. Le lendemain matin, les représentants de la Croix-Rouge internationale arrivent sur l'aéroport de Fortune d'Adigoudoum afin d'organiser la distribution. Le convoi de vivres a quitté Mekele, mais on ignore s'il a pu descendre vers Adigoudoum. Entre-temps, les vivres sont arrivés. Les personnes qui se trouvent là peuvent se faire enregistrer et recevoir les rations qu'elles emporteront dans leur village. Registration will be done by your Schmegeles and our field officers. Fortunately, this morning the road was open. Therefore, our convoy could reach Adigoudoum with enough food to feed the people tomorrow. Aujourd'hui, le convoi a pu passer et les gens affamés ont reçu de la nourriture. Bien d'autres arriveront demain, bien plus après-demain. Les convois ne pourront pas cesser de sitôt. Ils sont à présent le lien vital qui met ces paysans à l'abri de la famine. Si les routes étaient bloquées, ce lien serait rompu. Now, accurate evaluation is essential to any action. But in the end, the important thing is the assistance given. Events can change from day to day, creating enormous planning difficulties. A road which is open one day can be closed the next. Delegates in the field have to think on their feet, have to try to anticipate events, have to live the crisis as it happens. La petite ville d'Adike en Érythrée ressemble à beaucoup d'autres villes du nord de l'Éthiopie. Les pluies ont été insuffisantes, les récoltes ont été peu abondantes, et une fois encore, la menace de la famine pèse sur les paysans de la région et sur leurs familles. Au marché, les signes avant-coureurs d'une catastrophe sont manifestes. Le prix des bêtes a chuté, les paysans qui ne peuvent plus les nourrir les vendent à n'importe quel prix, l'argent obtenu devant leur permettre d'acheter des vivres de base. De leur côté, les prix des céréales et le prix des légumes sont montés en flèche, l'offre se faisant de plus en plus rare. Ces produits ne sont plus aujourd'hui à la portée de la plupart des familles. Les prix pratiqués sur le marché local sont l'un des nombreux indicateurs qu'étudie le Comité international de la Croix-Rouge pour déterminer quelles régions ont été le plus durement touchées et vont avoir le plus besoin d'une aide d'urgence. Les chefs de village sont aussi consultés afin de pouvoir se rendre compte de la gravité de la situation et savoir combien de gens sont affectés. Ces informations sont utilisées en vue de l'organisation des distributions d'aide alimentaire. Le tableau qui se fait jour est empreint de tristesse. Les gens d'ici savent que si les distributions de vivres tardent trop, ils vont commencer à s'affaiblir et à mourir. Et que cosa fate si la Croce Rossa non può fare distribuzione? Che cosa volete fare voi? Morire da fame.
Les greniers ne contiennent plus de vivres. Toutes les réserves sont épuisées. Le souvenir de la dernière famine et de tous ceux qui sont morts pèse lourdement sur le cœur de tous ces gens. Then we make it the soil. Ah. Instead of to make it harvest, because we don't have, we make it the manure there. Oh, they make the manure there. Because yeah. There's Amina. Dans les champs asséchés, tout est immobile. Même si les pluies viennent cette année, d'ici la prochaine récolte, des mois et des mois passeront marqués par la faim et les privations. À moins qu'une aide alimentaire d'urgence ne parvienne aux familles et se répartisse dans les villages, les gens vont commencer à partir d'ici à la recherche de camps d'accueil et de centres nutritionnels, multipliant les problèmes sur le plan de l'assistance. Aussi longtemps qu'ils demeurent dans leur village, on peut espérer que le prix de la catastrophe pourra être évité. Mais la famine est là et les jours passent. Sadly, we're used to seeing pictures on television of the effects of drought and famine in country areas. It may be easy to forget that the towns and the cities also suffer. And where there's suffering, there's a need for humanitarian assistance, the kind of work that the ICRC can do. Our final story is in Asmara, capital of Eritrea, and there too the ICRC is at work. La ville d'Asmara, la capitale de la province disputée de l'Érythrée, au nord de l'Éthiopie, commence comme toute la région alentour à souffrir des effets de la sécheresse. Le principal réservoir est aujourd'hui sec et poussiéreux. Le peu d'eau disponible provient des puits sur lesquels veillent soigneusement les autorités municipales. Ces quelques sources ne suffisent pas à couvrir les besoins de la ville. L'eau potable et l'eau nécessaire pour laver ou cuisiner sont rationnées au maximum. Des distributions ont lieu dans les rues quand l'approvisionnement en eau le permet. Alors que la population est normalement de 400 000 personnes, la ville compte actuellement quelque 80 000 soldats dont la présence vient encore aggraver la situation sur le plan de la consommation d'eau. Les problèmes de sécurité qui se manifestent sur les routes conduisant à Asmara sont une difficulté de plus. Des puits situés au-delà du périmètre de la ville pourront permettre de couvrir les besoins en eau, mais il n'est pas possible d'envisager une opération d'envergure suffisante. S'efforçant de protéger la population civile d'Asmara contre les effets d'une pénurie d'eau, le Comité international de la Croix-Rouge approvisionne en eau près de 20% de la population, ainsi que les hôpitaux, les écoles et les prisons. L'eau provenant de puits situés à Chiketi ou à Alalé doit être acheminée jusqu'à Asmara par une noria ininterrompue de camions qui circulent sur 35 km de route de montagne. Sans cette eau, la ville pourrait connaître une situation critique. Aussi longtemps que l'approvisionnement pourra ainsi être assuré, les besoins vitaux seront couverts. Comme dans l'ensemble de cette région de troubles, l'efficacité de toute action destinée à lutter contre les effets de la sécheresse dépend du fait que les routes resteront ouvertes ou pas. This is John Marshall with the International Committee of the Red Cross at Halhale near Asmara, Ethiopia.